our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore dehors. On profite de ces petits bruits, de toute cette végétation. Et puis, c'est surtout que bientôt, on va arriver dans des périodes qui fera moins chaud. Donc, je me suis mis dehors pour vous faire le dernier haul spécial décoration. Et après, je vous tournerai un dernier haul pour la rentrée scolaire de Noé. Lola ne veut pas se montrer sur les réseaux. Il n'y a que Noé. Donc, après, je vais vous tourner pareil, même tenue, dehors, etc. Une vidéo spéciale rentrée pour Noé. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment, c'est la dernière, c'est le dernier colis que je reçois pour la déco de la maison et dans cette maison. Donc, je vais vous laisser tranquille un petit moment. Je vous laisse encore un petit peu tranquille pendant quelques jours. En tout cas, comme d'habitude, j'essaye de tout vous mettre dessous ici, les liens de la boutique, les liens de chaque article, le code promo, tout ça, tout ça. De toute façon, vous me connaissez, je procède toujours de la même manière. Et c'est parti. Donc, j'ai tout reçu en deux envois. Il y a des choses qui sont arrivées avant. Donc, je vais vous les montrer en premier. Ici, c'est pour l'extérieur. C'est des housses. Puisqu'il faut que je rachète quand même pour faire quelque chose de cocooning. Puisque quand on va arriver dans ma maison, on aura directement mon salon de jardin. Et bien, du coup, j'ai pris des housses. Donc, il y avait ce lot-là. Donc, très joli. Bon, blanc, j'espère. Avec la pluie, ça va pas trop s'abîmer. Il y avait comme ceci. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que ça donne un petit peps. C'était un lot de 4. Et les deux autres, ça c'est des écritures sur les deux. Voilà, nous avons celui-ci. J'adore. Et celui-ci. Alors généralement, je décore pas trop l'extérieur. Mais je trouvais ça sympa. Je sais pas si vous voyez, je crois que vous voyez à l'envers, il me semble. Mais voilà, je trouvais ça sympa de mettre un petit peu de gaieté pour cette fin d'été. Parce qu'on va quand même encore profiter. Donc voilà, des petites thés et elles faisaient 45 par 45. Je vais enlever des emballages. Alors là, ce que je vais vous présenter, c'est deux choses qui, à la base, sont pour mon atelier. Mais, je dis bien mais, je ne suis pas sûre de les mettre tous dans l'atelier puisqu'il y en a 4, logiquement, parce qu'il y en a encore 2. J'ai juste préouvert, là, pour une fois, je n'ai pas du tout tout déballé de ces emballages qui est juste dessous là. Mais ceci, voilà, à la base, il y en a 4 et je verrai lesquels je mets dans mon atelier. J'ai craqué, de chez craqué. Et je pense que si je ne les mets pas dans l'atelier, je les mettrai sûrement dans mon couloir ou je ne sais pas. Regardez-moi cette beauté. C'est trop beau. Je vais enlever le plastique. Regardez-moi ça. Bon, il va falloir que je le remette un petit peu. Mais si c'est pas super beau, bon, c'est une glace, hein. C'est trop canon, vous voyez, ici. C'est trop canon, j'adore. Bon, vous voyez l'envers du décor, hein. Mais du coup, ça, c'était à la base pour mon atelier. Donc, écoutez, je ne sais pas. Et comme je vous disais, c'était très bien emballé puisque c'était emballé. Je vais vous montrer. Dans une boîte ici, voilà, comme ça. Donc franchement, il n'y a pas de raison que ça casse. Donc ça, c'est pour mon atelier. Et la deuxième chose pour mon atelier, je vais l'ouvrir, c'est pareil, c'est dans le même esprit. Et tada ! Ouais, pour celles qui me connaissent, ça faisait un petit moment que j'en voulais un comme ça, puisque j'en avais parlé. Alors si je ne dis pas de bêtises, il y avait un petit morceau que j'ai calé, ben, je ne sais pas où il est, puisque vous voyez qu'ici ça s'est cassé. Mais je ne sais pas où il est, le petit morceau. Voilà, le petit morceau est ici. J'aurai juste à remettre un petit bout de colle. Et puis, c'est terminé. Voilà, il sera comme neuf, on va dire. Ça, le problème, c'est que des fois, ben, les transporteurs, eh ben, ils ne sont pas très doux. Donc, ça, c'est également pour mon atelier. Puisque j'aurais aimé en mettre, voilà, des petites décorations comme ça à mon atelier. Puisque vous le savez que là, ici, j'étais dans une grande pièce. Et là-bas, je me retrouve avec des vrais murs de partout. Donc, je veux décorer tout ça. Et maintenant, on va passer à ce qu'il y a dans le carton. Donc ici, on a une boîte. Je sais pas ce que c'est dedans. Donc, je vais ouvrir. Je sais tout ce que j'ai commandé, mais de là, de savoir quelle est quelle boîte. Yeah ! Trop contente ! Alors ça, je vais vous inclure une photo, puisque ça va être pour ma douche et ça sera mis, bon, quand j'aurai fait mon room tour, etc. C'est un ensemble. Donc, je vais vous montrer, voilà, c'est un ensemble d'un pommeau de douche. Ben voilà, j'ai même pas besoin de vous mettre une photo, puisque c'est le pommeau, c'est tout ça, en noir. Donc, nous avons, bon, les petits câbles, etc. Je veux voir la qualité, vous savez, de la... Waouh!
Ah, j'adore. Ça fait tellement, tellement, tellement longtemps que je voulais avoir ça dans une douche, puisqu'en plus là-bas, c'est même pas une baignoire, c'est une douche. Et je pense que j'en prendrai une pour la baignoire des petits. Oh, oh là là. Et ça, c'est ce que vous mettez en haut. Oh, je suis trop fan. En noir mat, je suis trop trop fan. Donc je vous en dirai des nouvelles par rapport à ça quand il sera installé, puisqu'il faudra attendre que le chéri revienne. Et en plus, rappelez-vous, quand je suis arrivée dans cette maison, sur la même boutique, j'avais pris un grand mitigeur pour la cuisine. J'espère que je n'ai rien perdu et que pareil, le chéri va pouvoir tout remettre. Donc voilà, ça je suis heureuse. Voilà, franchement, je suis heureuse. Donc voilà, c'était tout très 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 bien emballé. Bon, c'est sûr que là, je ne peux pas vous montrer, puisque du coup, il faut attendre que je sois dans l'autre maison pour pouvoir le poser. Mais promis, vous verrez ça dans le room tour, puisque je vais vous faire un room tour de toutes les pièces. Alors maintenant, une petite boîte. On va l'ouvrir. Je me suis munie d'un petit couteau. J'espère ne pas me faire très mal, parce que généralement, vous me connaissez, à chaque fois que j'ouvre quelque chose en vidéo, et ben je me fais mal. Alors ça, c'est pour Chloé, pour leur salle de bain. C'est un rangement en plexiglas. Me demandez pas ce qu'ils vont mettre, vous verrez pareil lors du room tour. C'est un rangement, voilà. Alors je crois qu'à la base, c'est pour tout ce qui est maquillage, mais je crois qu'ils veulent mettre leur brosse à dents, dentifrice et tout. Je crois que c'est ça. Par contre, c'est très joli, hein. Vous voyez comme c'est. C'est très 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 joli. J'aime beaucoup. Ça fait très classe. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Bon, c'est pas dans l'ambiance que moi, j'ai envie de faire dans ma salle de bain. Mais j'aime beaucoup. Et vous voyez, hein, encore une fois, pas de raison qu'il y a de casse. Très bien emballé dans un carton. Ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ici, encore une fois, très bien emballé. Je pense que c'est des tasses à café. Ça fait très longtemps que je voulais des tasses, vous savez, avec le faux fond. Ouais. 80 ml, je crois que c'est ça. Donc je fais où? Yeah, je suis trop contente. Elles sont trop canon. Je vais éviter de les casser. Oh là 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 là, j'adore. C'est trop trop canon. Donc vous voyez, par rapport à ma main, mon café sera nickel. Et vous voyez, il y a double paroi. En fait, si vous voulez, ça va jusqu'à ici. Oh, j'aime trop. Donc ben ça, voilà, il m'en fallait 6. Et je suis tombée sur un lot de 6. Donc j'ai pris les 6. Donc il me reste les roses que mon fils m'avait achetées. Mais quand je vais avoir des invités, je vais sortir celle-là. Ah, en plus, elles sont arrivées en bon état. Je suis trop contente. Il n'y a pas eu de casse. Et je vais les tâcher de bien les scotcher dans un carton, bien les caler pour ne pas qu'elles se cassent. Trop con. Et il paraît qu'il y avait des très très bons avis, puisque moi qui commande beaucoup sur cette boutique, donc sur chaîne, hein, vous le savez, et ben je regarde beaucoup beaucoup les avis, parce que des fois ça taille trop petit, des fois la qualité ne sera pas très jolie ou pas la même matière que ce qu'on penserait. Du coup je regarde tout, et là c'était super bien noté. Je vous ai présenté ça dans un des hauls, je ne sais plus quand. C'est un lot de 3. Alors, ils ne sont pas très, très, très épais. Mais c'est ma maman qui m'avait dit d'acheter ça. Vous savez, c'est les moules pour mettre dans le air fryer. Pour éviter de mettre les papiers que vous jetez derrière. Déjà, ça crame en plus le papier. Et ça salit beaucoup, beaucoup si vous n'en mettez pas. Alors, je dirais que comparé à l'autre que j'avais eu la dernière fois, ceux-là, ils sont d'une qualité un peu trop fin. Voilà. Mais je testerai. Donc, du coup, il y en a un. Il y en a deux. Et il y en a 3. C'est exactement les mêmes, donc c'est pour ça que je vous en montre qu'un. Je trouve que c'est un petit peu fin. Voilà, vous savez que moi je suis entière quand je vous montre quelque chose, que ça soit une collaboration ou des commandes à moi, et ben là je trouve que c'est un petit peu fin. Après, à voir, hein, peut-être fin, mais peut-être que ça va tenir. Et la dernière fois, vu que là tout est en carton, j'avais fait un cake moi dans le moule l'autre. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'au moins ça se démoule très bien et au moins je peux faire aussi mon cake au air fryer. Du coup, écoutez, je vous en redirai des nouvelles. Ici, une boîte bien fermée, c'est très léger, je ne sais plus ce que c'est. À force, vous savez que je reçois tellement, tellement, tellement de colis, j'achète tellement de choses que, ben, au final, au bout d'un moment, je ne sais plus. Par contre, je ne prends que des choses que je vais me servir. Et ça, c'est quelque chose que je vais me servir. Alors, par contre, je ne pensais pas du tout que c'était cette matière-ci. Je vais vous montrer. Je pensais que c'était en dur. Alors, comment on le met? Je crois que ça se met, je ne sais plus.
Ben, je sais plus, il va falloir que je regarde. Vous savez, c'est, je crois que c'est comme ça. En fait, c'est un rangement que vous mettez sur votre côté de votre évier dans la cuisine, où vous mettez par exemple votre liquide vaisselle, les éponges, les petits grattoirs, etc. Et en fait, si vous voulez, après l'eau, elle tombe. Donc ça, si je dis pas de bêtises, ça va de l'autre côté. Mais je croyais que c'était en acier, en fait. Bon, ben, c'est pas très grave, c'est gris foncé. Voilà, je me suis trompée. Et là, vous mettez la lavette que vous laissez pendre dans votre évier. Voilà, moi, c'était pour tout ce qui est les éponges et tout, puisque mes pots, c'est des pots en verre que j'ai pour le liquide vaisselle et pour les mains. Donc voilà, là, je mettrai toutes les éponges. Voilà. Petit bémol, j'ai pas regardé, c'est pas en acier, mais c'est en plastique. Ça, après, c'est question de goût. Vous allez me dire, l'acier, ça rouille. C'est peut-être pour ça que c'est pas en acier. C'est fort possible. Ici, vous allez me dire, c'est quelque chose le plus basique possible. Oui, c'est des essuies, des lavettes pour nettoyer. Donc, vous avez un bon paquet, vous avez tout ça. Vous avez 20 pièces. Et ça, moi, les miennes, elles ont peut-être 2, 3, 4 ans. Elles étaient dans un état, là, tout part à la poubelle. Du coup, j'ai repris des lavettes. Donc, moi, les lavettes, il faut savoir que je m'en sers pour tout. Je nettoie toute ma maison avec, mes plans de travail, mon évier, tout, 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 tout. Alors, ça, c'est pas en guise de torchon puisque c'est bien trop petit, vous voyez. C'est bien trop petit. Mais par exemple, pour vous laver les mains aussi, par exemple, dans votre WC, si vous avez un petit point d'eau, ben vous pouvez mettre une petite lavette comme ça. Alors, c'est tous les mêmes. Donc là, du coup, il y en a 20. Je pense que clairement, j'en ai pour toute une vie. Mais écoutez, c'est pas perdu. Je pense que je vais en mettre déjà 10 à disposition de la maison. Puisque même Chloé fait le ménage dans sa chambre, etc. Les petits et tout le font. Je vais en mettre 10 et le jour qu'elles seront très, très, très abîmées, je ressortirai les 10. Alors là, j'en achète plus besoin. Ici, c'est pour ma salle de bain. Puisque étant donné que j'ai une douche, je ne vais rien avoir pour poser, vous savez, les gels douche, les shampoings, tout ça. Donc là, c'est en acier, c'est noir mat. J'ai pris une petite étagère, donc vous avez les supports à coller. J'espère que ça collera bien. Et vous le collez dans votre salle de bain. Je crois que ça, il me semble, quand vous collez des choses comme ça, vous le collez le matin et vous mettez que l'étagère, il me semble, le soir. Pas avant, puisqu'il me semble qu'avec le poids ça se décolle, donc faut bien que ça prenne au début. Donc c'est sûr, je mettrai pas des poids en verre, on va éviter, hein. Voilà, ça, petite étagère d'angle, il nous en faut qu'une puisque c'est qu'une salle de bain pour mon chéri et pour moi. Ça fera bien l'affaire, vous voyez, c'est des petites choses qui aménagent ma maison petit à petit et surtout à moindre coût puisque cette boutique propose des prix imbattable. Oh, je suis trop contente. Vous le savez qu'il y a quelques temps, j'avais pris les couverts or. Et là, j'ai pris noir et or, toujours dans la même gamme. Alors, je vais juste vous montrer. Il y a 32 pièces. Donc, vous avez les cuillères. Vous avez les fourchettes. Les petites cuillères, vous aurez vu dans un haul que je vous en ai déjà présenté. Et vous avez les couteaux. Et du coup, en plus de ça, ben, j'ai ceux que or que j'avais pris la dernière fois. Parce qu'alors moi, dites-moi si vous êtes pareil. C'est ce que je vous disais dans mon autre vidéo. Mes enfants, je ne sais pas ce qu'ils font avec mes couverts. Les petites cuillères, les couteaux, ça disparaît. Donc là, j'ai 32 pièces. Trop contente. J'en aurai largement assez avec les autres que j'ai. Et puis les autres, tout poubelle. Ou alors, je garderai pour quand j'ai des invités qu'on ait vraiment beaucoup. Puisque vous le savez, qu'on est une grande, grande, grande famille. Par contre, cuillère à soupe, ah, pour mettre dans la bouche, ça fait très grand. Et elles sont très longues. Vous voyez, bon, ça après, c'est une question d'habitude. Il va falloir qu'on prenne l'habitude. Mais voilà, les cuillères que j'ai pris. Donc, c'est tout l'assortiment comme ça. Logiquement, ça passe au lave-vaisselle. Je vous dirai dans quelques mois ce qu'il en est. Si ça a rouillé, etc. Là, il y en a qui ont dit que ça passait au lave-vaisselle, que ça n'avait pas bougé. Maintenant, à voir dans le temps, hein, c'est comme tout. Quand il y a des couleurs or, argent, généralement, ça ne tient pas bien. Donc, écoutez, je vous en dirai des nouvelles. Mais franchement, pour 32 pièces, c'était pas cher. Je ne me rappelle plus combien c'était, mais c'était pas cher du tout. Puisque vous le savez que je ne prends pas des choses très très chères à moi, que ça soit collaboration ou haul, je reste toujours dans les plus petits que je peux. Et on arrive pas à la fin. Là, je vais vous montrer deux décorations, non, une décoration et l'autre, elle est ici. Ça, c'est pareil, comme je vous ai dit, c'est encore à la base pour mon atelier, mais je ne sais pas si du coup je mettrai tout dans mon atelier. Donc, je vais vous montrer, c'est très 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 bien protégé. Moi, je suis bluffée de la protection qu'il y a. Et cette fois-ci, c'est comme ça. Donc, on reste toujours dans le même genre. Ça, c'est pareil. C'est la décoration qui pourrait très, très bien aller dans la chambre de mes filles. Mais voilà, ça sera pour mon atelier, sûrement. Celui-là, je pense que même sûr, ça sera le premier qui rejoindra mon atelier. Très bien emballé. Et je vais vous montrer celui-ci qui est encore dans un carton. Et après, je vous montrerai le dernier article qu'il y a dans le colis.
ici, on ouvre bien. Vous voyez, et je perds quand même du temps hein, quand j'ouvre les emballages. Oh là là, très 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 bien emballé, regardez-moi ça. Mais alors lui, vous n'êtes pas prêts, hein, vraiment. Oh là là, je ne suis pas étonnée qu'il soit très très bien emballé. Quelle beauté, quelle beauté. Il est en bois, regardez, il est en bois. Magnifique. Il est tout en bois, regardez. C'est sublime. Bon, vous voyez mon trépied, tout ce qui se passe derrière. Vraiment, j'aime trop. Ça, c'est le coup de cœur. Ça, c'est le coup de cœur assuré. J'adore, 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 j'adore. Et j'ai envie de ce genre-là dans ma maison. Du moins pour commencer déjà mon atelier. Quand j'aurai fini mon atelier, je veux me faire un joli WC. Alors vous allez me dire, ouais, un WC. Eh ben oui, j'ai envie d'avoir un joli WC. J'ai envie de refaire une jolie salle de bain. Ben voilà, je continuerai du coup les autres pièces. Et je pense que niveau cuisine, avec tous les hauls que je vous ai fait cet été, je pense que je suis tranquille. Et ceci, pour terminer, je vais vous montrer. C'est un petit peu lourd. Ici. Donc il y a 25 pièces. Vous allez rigoler, hein, mais vous allez me dire encore. Eh ben oui, j'ai repris des bacs transparents. Parce que ma fille m'en a pris et il m'en faut encore. Donc du coup, c'est des petits bacs transparents. Je kiffe. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. J'adore. Donc par contre, ceux-là vont aller dans ma cuisine. Donc du coup, vous en avez trois comme ça. Vous en avez... Alors hop là, je vais essayer de pas trop vous faire bouger. Ah, vous avez ici les trucs pour pas que ça bouge. Ça, c'est trop bien. Nous en avons des comme ça. Alors, vous en avez quatre comme ça, mais je crois qu'il y en a encore plus que quatre. 4, alors attendez, 4, 4, 4, hop là, et encore 2 grands, donc il y en a 6 comme ça, 7 tailles comme ça. Après, nous en avons un bon paquet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus petits. Oh, j'en ai partout tout autour de moi, si vous saviez. Et là, pour terminer, il y a des petits, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 de chaque. Ça, c'est clairement quelque chose que j'ai besoin dans toute ma maison. Voilà, donc les plus gros, je vais les garder pour ma cuisine. Bon, bien sûr, ils seront un peu tous mélangés parce que là, je vais tout mettre dans un seul carton et puis je piocherai petit à petit. Mais que dire, trop contente parce que là, en termes de rangement pour mes tiroirs, j'ai de quoi faire. C'était mon gros haul Shane, le dernier officiellement dans cette maison, puisque là maintenant il faudra que j'attende pour déménager et puis je veux surtout me concentrer de la déco sur le thème Halloween et automne. Et je pense que je reprendrai également certaines décos pour la maison quand j'y serai. Et puis je verrai ce qui me manquera. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je profite en tout cas de ces petits cuicuis, de ce beau temps, voilà, et surtout du calme avant la tempête. Et puis moi, je vous retrouve prochainement pour le haul spécial de mon loulou et puis pour une nouvelle aventure dans l'autre maison. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.